choix de cet executive MBA s'est fait il y a 25 ans de cela. À l'époque, je recherchais clairement une formation à vocation internationale et je voulais quelque chose de moins académique, plus pratique. Et c'est pour ça que je me suis dirigé vers Rennes School of Business. Franchement, c'était les fous rires qu'on se tapait en cours. C'est juste incroyable. On a été une petite promo d'une quinzaine d'étudiants, de générations différentes, d'âges différents, parce que c'était un executive MBA de fait. J'étais le plus jeune, donc c'était un vrai bonheur pour moi parce que j'étais comme une éponge. Et pour parler comme les jeunes, on se tapait des barres. Mais alors, en fait, parce qu'on était contents, on était heureux d'être ensemble. On a beaucoup bossé, mais on s'est aussi bien oxygéné la tête. Je reviens à cette dimension à la fois donc globale, internationale d'un côté, d'une part, et local, enracinement local d'autre part. Je pense que ces deux dimensions-là permettent de prendre du recul par rapport à beaucoup de choses et de penser en dehors de la boîte, en dehors du cadre. Ce qu'il y aura ici est né global. Et je pense que le fait d'avoir suivi cette executive MBA m'a bien évidemment aidé dans cette dimension d'aller au-delà de mon simple périmètre. Ça a de fait éloigné mon horizon.